membres de la société civile ici présents, nous plaçons juste ces deux mots pour juste canaliser. Le temps n'est pas au discours parce que les discours, on en a déjà parlé à Macky Sall, il n'a pas entendu. Nous sommes là pour remercier tous ceux qui ont répondu présents et tous les organisateurs anonymes à cette manifestation qui ne sont ni plus ni moins que le peuple sénégalais, ici les citoyens de Casamance à Bignona. L'affaire de Ousmane Sonko, connue de tous, un complot ourdi, n'est plus le combat de Pastef. C'est le combat de toutes les populations du Sénégal. C'est le combat de tout le peuple. Donc c'est le combat de tout Bignona. Cela dit, le message doit être clair. C'est pourquoi nous nous sommes levés. N'a pas changé dans Yota. Nous sommes là pour exiger ni plus ni moins que la libération pure et simple de Monsieur le Président, honorable député Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, on l'a libéré, mais il n'est pas libre. Ils l'ont relâché, mais Ousmane Sonko n'est pas libre. Ils sont dans leur jeu, et nous ne sommes pas dans le jeu parce que le peuple ne joue pas. Ils l'ont relâché pour mieux se préparer. Nous sommes plus forts en matière de préparation, sans armes, mais nous avons la foi. Et la foi du peuple, elle est plus forte que les Koumoutoura. Nous sommes là, au nom du président Ousmane Sonko. Nous ne discutons plus directement avec lui. On discute par avocat interposé. Mais j'ai deux messages à vous donner. Le message du président Ousmane Sonko et le message de nos frères détenus pour lesquels nous sommes là aussi. Le président Sonko dit qu'il ne sera pas heureux que nous continuions à nous battre pour lui, sa propre personne. Il dit que nous devons nous battre avec la même détermination pour tous les fils dignes de la justice qui sont détenus. Cela dit, nous exigeons la libération immédiate de nos jeunes, de nos 7-8 détenus à la marque de Ziguinchor. Il s'agit de Lamine Badji. Il s'agit de Richard Bakary Richard Diemé. Il s'agit de Ismaïla Boyan. Il s'agit de Madikoy Sané. Il s'agit de Atab Sonko. Il s'agit de Amadou Badji. Il s'agit de Djibi Camara. Il s'agit également des gens qu'ils sont en train de préparer, qu'ils sont en train de traquer dans nos maisons. On ne l'acceptera plus. Libérez nos enfants. Libérez nos enfants.